J'accueille maintenant sur le plateau de l'Effet Papillon Marc Garmerian. Marc, bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter à Capa et cette semaine, vous venez nous parler d'un homme qui a terrorisé littéralement la Suède pendant plus de 20 ans. C'est l'histoire d'un serial killer qui, en fait, n'en était pas un. Un homme qui a revendiqué plusieurs crimes sanglants. Et au bout de plusieurs années, on s'est rendu compte que ce n'est pas lui qui les avait commis. À l'époque où il les a revendiqués, il est sous l'influence de médicaments psychotropes, sous l'influence aussi d'une équipe de psychiatres et de policiers qui étaient chargés de son cas, de son affaire. Et c'est l'enquête d'un journaliste d'investigation qui a déclenché un processus qui aboutit à sa libération. Alors, pour ceux qui n'ont pas tout à fait cette affaire en tête, voici une petite piqûre de rappel. Hannibal, le mytho, épisode 1. C'est notre droit de suite et c'est signé Nathalie Gros. Cette histoire se déroule dans un pays connu pour deux choses, les meubles en kit et les romans policiers par moins 20 degrés. La Suède, où visiblement, la réalité dépasse la fiction. Bonjour, après plus de 20 ans d'enfermement dans un hôpital psychiatrique, c'est officiel, Sture Bergwall a été libéré. Il y a 15 jours, le pire tueur en série qu'ait connu ce pays a été remis en liberté. Jugé et condamné à perpétuité pour 8 meurtres dans les années 90, Sture Bergwall n'a tout simplement jamais tué personne. Ce serial killer n'était en fait qu'un serial menteur. Retour sur la plus effarante erreur judiciaire scandinave. C'est derrière les murs de cet hôpital psychiatrique fermé que Sture Bergwall a commencé à s'inventer une vie de serial killer. Interné en 1991 pour un braquage à main armée, il se plaît dans cet asile nouvelle génération et ne veut pas en être libéré. Dan est journaliste, il a suivi toute l'affaire. Il a commencé à mentir, à dire au psychothérapeute ce qu'il voulait entendre. En échange, il recevait gratuitement tous les médicaments qu'il voulait. Il était drogué, complètement accro. Un cercle vicieux se met en place à l'hôpital psychiatrique, chaque confession en entraînant une autre, toujours plus trash et plus gore. Sture Bergwall confesse 8 crimes, des affaires non élucidées jusqu'alors, pour lesquelles il invente un scénario détaillé. Un striptease, puis la mort par étranglement pour Greuil Storvik, 23 ans. Une pierre comme arme du crime pour Thérèse Johansson, 9 ans, qui crie « Maman, maman » au moment du crime. Enfin, le pire du pire, l'affaire Johanna Splung, un enfant de 11 ans disparu en 1980 et dont le corps n'a jamais été retrouvé. Bergwall prétend l'avoir violé, démembré et mangé de retour chez lui. En 2008, tout bascule. Un journaliste mène une contre-enquête et découvre que Sture Bergwall a systématiquement témoigné sous l'influence de médicaments extrêmement puissants. Pour la première fois devant sa caméra, le tueur reconnaît avoir menti sur toute la ligne. C'était toujours comme ça. Dans tous les interrogatoires et les reconstitutions, et pendant les procès, on organisait des pauses pour que je puisse prendre mes médicaments, pour que je reste dans mon délire de psychotrope. Tout le monde était au courant. Qui a couvert Sture Bergwall? Comment se fait-il que pendant plus de 20 ans, les policiers, les juges, les médecins qui l'entouraient n'ont jamais douté de sa culpabilité? Et si lui est innocent, alors, qui est coupable? Nous retrouvons chez elle la mère de Johan, l'enfant soi-disant violé et mangé par Bergwall. Elle ne sait toujours pas ce qui est vraiment arrivé à son fils. Il n'y a qu'un seul mot qui résume toute cette affaire. Et ce mot, c'est scandale. Johan s'est évaporé un matin il y a 34 ans dans cet escalier sur le chemin de l'école. À l'époque, Anna Clara soupçonne un ami de la famille, mais Sture Bergwall se dénonce. Il est le coupable idéal, l'enquête est bâclée. À chaque fois qu'un détail innocentait Sture Bergwall, les inspecteurs et les magistrats le mettaient de côté et le dissimulaient à la cour. Nous, les familles, on pouvait dire ce qu'on voulait, ça ne changeait rien. Sur les 8 crimes pour lesquels Sture Bergwall a été condamné, il n'y en a qu'un qui ne soit pas encore prescrit, une seule affaire qui puisse encore être jugée. Pour les autres, ce sont autant de meurtriers qui n'ont pas été et ne seront jamais inquiétés.
Alors aujourd'hui, après 20 ans d'internement psychiatrique, une condamnation à perpétuité, un désastre judiciaire, notre serial menteur est libre. Il est libre, il est parti vivre un petit peu à l'étranger pour se faire oublier. Mais une commission d'enquête a pointé les responsabilités dans cette affaire, sauf que aucune sanction n'a été prise contre ni les médecins, les psychiatres, les magistrats ou les policiers. On a l'impression que la Suède veut oublier cette affaire. Récemment, Sture Bergwall s'est rappelé à la mémoire de tout le monde parce que lui réclame des compensations pour ses 20 ans qu'il a passés en hôpital psychiatrique à tort. Et ça risque de coûter bonbon à la Suède. Hannibal, le mytho, épisode 2, c'est notre suite de notre droit de suite et c'est signé Marc Garmérian. Depuis qu'il est sorti de l'hôpital psychiatrique, Sture Bergwall a écrit son autobiographie. Fin 2016, il enchaîne les plateaux de promo pour y vendre son histoire, avant de se volatiliser. La rumeur le dit installé incognito, au soleil, quelque part dans le sud de l'Europe, en attendant que la justice se prononce sur la demande d'indemnisation déposée par son avocate. Nous avons fait un calcul. Nous avons considéré que le chiffre de 1,5 million d'euros était raisonnable. Si l'on prend en compte le temps qu'il a passé enfermé et comment il a été traité par les médias. Pour lui, ce sera comme un nouveau chapitre. Et il va pouvoir continuer à vivre sa vie. Cette demande de réparation sera examinée par la plus haute autorité judiciaire suédoise. L'opinion publique, elle, est partagée. Beaucoup voient encore en Sture Bergwall un tueur en série. Mais pour ceux qui ont suivi l'affaire, comme le journaliste Dan Josephson, que nous avions rencontré en 2015, ses indemnités semblent justifiées. Il est très important qu'il obtienne ses compensations. Si on ne les lui accorde pas, ça veut dire que la société considère que tout est de sa faute à lui, que nous n'avons pas d'excuses à présenter. Et ce serait plutôt insultant. Même s'il était accro aux médicaments, parce qu'il en prenait beaucoup, ce n'est pas lui qu'il faut blâmer en fin de compte. C'est le système qui a créé le faux tueur en série. Les policiers, les enquêteurs, le procureur et le personnel de l'hôpital, tous ensemble, ils étaient obsédés à l'idée d'avoir un tueur en série unique au monde. Ils sont tous responsables de cette folie. Une erreur judiciaire, la pire qu'ait connue la Suède et qu'elle a toujours du mal à reconnaître. Le plus horrible tueur de toute l'histoire de la Scandinavie n'était en fait qu'un menteur en série. Comme le pays, pendant 20 ans, la famille de Sture Bergwall a elle aussi cru la version officielle. Je ne voulais avoir aucun contact avec lui. Avec un tueur en série qui a dit des choses terribles sur mes parents, pas question. Pendant sa détention à l'hôpital psychiatrique, Sture Bergwall invente même avoir été abusé sexuellement par son père. Sa famille le renie, mais le frère aîné commence à douter des aveux de son cadet. J'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ces histoires. Quelque part, je ne pouvais pas croire tout ce que j'avais entendu. Mais j'avais confiance en la justice. Et donc, tout cela devait être vrai. Eux aussi tombe des nues lorsque Sture Bergwall révèle avoir menti sous l'effet des médicaments. Aujourd'hui, on n'a pas oublié ses mensonges. Mais il nous a demandé pardon et on l'a pardonné. Lorsque le faux tueur a été innocenté puis libéré, les deux frères se sont retrouvés. Il avait l'air content, là. On a beaucoup ri ce jour-là. Désormais, le grand frère protège et défend son cadet. Il a besoin d'argent pour s'installer dans un endroit où il pourra vivre sans être reconnu. Donc il mérite ses réparations ? Oui, ils lui ont volé plus de 20 ans de sa vie. Et c'est l'État qui a fait ça.
Les médecins se sont servis de lui pour faire des expériences. Oui, aujourd'hui, c'est une évidence. Les thérapies qu'on lui a fait suivre étaient une erreur. Ça l'a détruit. La justice doit décider avant l'été si elle accorde ou non des réparations à Sture Bergwall. Ce sera peut-être l'épilogue de cet incroyable polar scandinave.